Alors, bonjour à vous, mes abonnés, mes témoloves, mes amours. Je vous aime tellement. Voilà. Bisous partout où vous êtes. Alors, je fais cette vidéo pour vous montrer ces images. Toi et Sabine, nous sommes tout le temps là pour essayer de vous informer, essayer de vous montrer les images, de vous donner des actualités, de vous montrer les images au bino bosa peut-être na facilité à comment on est youtubeur, on est journaliste, on est chroniqueur, ça fait partie de notre boulot. Alors je pense que vous êtes en train de voir ces images, ça fait mal au cœur, franchement j'ai les cœurs, j'ai l'estomac dans franchement ça chauffe quoi, j'ai très mal, je vous jure ça fait mal, ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, vous voyez, messieurs, syndicat d'Okolo, qui venait de nous quitter le 29 octobre à Dubaï, hein, suite à... Je ne sais pas, donc, voilà. Alors, messieurs, syndicat d'Okolo, qui est messieurs, syndicat d'Okolo? Vous voyez les images, franchement, les images parlent à ma place. Alors, vous voyez les images. Qui est monsieur syndicat d'Okolo? Alors, j'ai essayé de faire mon petit recherche pour essayer de vous en parler plus par rapport à la disparition tragique de monsieur syndicat d'Okolo. Donc, je vous fais un petit biographie. Vous allez écouter qui est exactement monsieur syndicat d'Okolo. Donc, voilà. Syndicat d'Okolo, né le 16 mars 1972 à Kinshasa, au Zaïre, mort le 29 octobre 2020 à Dubaï. Un homme d'affaires congolais et collectionneur d'œuvres d'art. Lié et date de naissance, le 16 mars 1972. Voilà, 1972 à Kinshasa. Date de décès, le 29 octobre 2020 à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Son épouse s'appelle Isabelle Dos Santos. Pour le gens au Boébité, qui est Isabelle Dos Santos? Isabelle Dos Santos, c'est la fille aînée du président honoraire de la République d'Angola. Donc, l'Angola, leur président honoraire qui s'appelait Monsieur Eduardo Santos. Donc, Isabelle Dos Santos, c'est la fille aînée de Monsieur le président honoraire de la République d'Angola. Voilà, donc vous avez compris. Alors, il était époux. Balanakana, moi naya président Eduardo Santos. Donc voilà, sa mère s'appelle Anne Cruz. Sa mère, je sais pas si elle est toujours vivante ou elle est déjà morte. Si elle est vivante, elle est morte. Donc elle fut une enseignante au lycée Saint-Louis de Gonzague, Sorbonne, Université Campus Pierre et Marie Curie. Je suppose bien que c'est la France, hein, par rapport à Bakomo, je suppose bien que c'est la France, donc voilà. Alors, tous les messieurs, syndicat d'Okolo, l'homme d'affaires et activiste de la société civile, syndicat d'Okolo, est mort à ton appris de plusieurs de ses proches. Le mari d'Isabelle Dos Santos est décédé à la suite d'un accident de l'après-midi du jeudi 29 octobre 2020 à Dubaï. D'après la même source, il est mort au cours d'une plongée sous-marine, exercice qu'il faisait habituellement. Donc voilà, c'est ça. Donc, mais ce que j'ai retenu, c'est ce qu'ils ont écrit ici. C'est un exercice dont il faisait, donc il avait l'habitude de le faire. Ce n'était pas quelque chose du nouveau pour Monsieur syndicat d'Okolo. Mais, et c'est le mot salaka, mais Yangonde Moutou est arraché vie. Brutalement, vous voyez comment il s'est noyé. Vous voyez comment on a essayé de le réanimer, mais ça n'a pas marché. En fait, moi, j'ai tremble parce que je me dis que la vie... En fait, à quoi sert la vie, au fait? Avec ses millions... Avec sa belle femme, avec sa belle famille, avec tout. Et puis, avant de continuer, déjà, je présente mes condoléances à sa famille biologique, ainsi qu'à sa femme, Madame Isabelle Dos Santos, à ses enfants. Et puis, je présente mes condoléances
Je savais pas. Fallait n'a bien papa puis soit ça rendait pas présenter ma condoléance n'a portugais. J'allais faire ça en tout cas bah angolais nion surtout. Je vous présente mes très sincères condoléances parce que c'est un pays adoptif naïe. Même nous le Congolais, sans Congolais, il est né ici au Congo, donc on a perdu notre frère. Donc nous sommes en deuil. Nous le Congolais, je nous souhaite de sincères condoléances parce que c'est une mort qui fait mal hein. Nalanda qui émission ya Marius Munga atika qui téléphone ouvert et que batuba benga baloba par rapport à la disparition ya syndicat d'Okolo et j'ai vu ya monsieur qui a appelé à partir ya France Abi non qui pas si mon qu'on a muté mananga na liwa moi mobali pourquoi parce que na yebi été na mona kae kaka. Mais je n'ai pas compris comment j'ai eu mal. Même moi, quand j'ai su, quand je l'ai appris, je vous jure que j'ai eu très mal. Parce que 48 ans, il est encore jeune. Il est encore jeune. Et puis, c'était parmi ces messieurs-là, au Bazala, qui n'a à venir par rapport à la politique, il y a Mbo Cannabis. Je ne suis pas là pour parler de la politique, parce que ce n'est pas mon monde. Mais je pense qu'on est chroniqueur. Alors, s'il faut en parler, je pense que je vais en parler. Alors, messieurs syndicats d'Okolo, il n'avait pas de l'avenir, n'a politique Nabiso, donc on a perdu quelqu'un, on a perdu le soir de demain, on a vraiment perdu ça. On a perdu tout ça. Donc, Tobanganzambe, parce que la vie peut s'arrêter à tout moment, à tout moment. Tu peux dormir et que tu ne te réveilles pas. Avion est craché. Moi, je connais le gens qui font la carie dentaire et boumi. En tout cas, je vous jure, la famille. La disparition de ces messieurs, franchement, ça, j'ai eu très mal, mais bon. Quoi dire? Que la gloire soit rendue à Dieu. Je dirais qu'il nous a juste procédé parce que la mort, c'est le passage obligé, au fait. C'est un passage obligé. Mais, dans un moment où on voit que c'est tôt, au fait. C'est mis, tout bas, pour faire un baron, dans un âge mort, où t'as colliné, même si Boyo a passé, mais a sali déjà vie. Mais avec lui, il avait de projets, il avait de trucs à faire et tout, mais bon. Que la gloire lui soit rendue. Sincèrement, je tenais vraiment à faire élément pour partager la communauté. Que je voulais partager ça avec tout le monde entier, partout. Le Congolais, le Ivoirien, le Camerounais, le Français, le Angolais. Le Brazzavillois, le Burkinabé, les Algériens, les Égyptiens, les Sud-Africains et tout. Je dirais tout le monde, l'Afrique entière, le monde entier. Franchement, parce que monsieur syndicat d'Okolo n'était pas n'importe qui. C'est un homme d'affaires reconnu mondialement. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je suis là pour vous informer. Je serai là toujours pour vous donner des actualités. Pour nous rappeler ça, détails parce que vous savez que ça fait partie de mon boulot, donc voilà, merci beaucoup ma team. D'ici là, portez-vous bien. Tokomi déjà na... et puis conseil mon en paix, c'est à souka tokomi na fin de l'année. Vous devrez comprendre que diable a téléma ma kasina tant et à fin de l'année au tokomi comme conseil zaka ma kolanzambe et plutôt à la prudent na ma camion surtout au tozo sala parce que corona au déjà et ça doit être l'eau quoi et sala que to banga non zambe parce que je dirais que 2020 on dirait les années moko ya prank, on dirait les années moko ya pause, on dirait nzambe déjà kata ka ni on a mars. Parce que là, on est en train de vivre des trucs au nom de vivre. Mais bon, ce qui n'a pas eu, tu as compté parmi le vivant. Du moment où je vous parle, aux États-Unis, ils ont plus de 9 millions de cas à Covid. En France, Bazali, donc, mais ce qui n'a pas eu, nous sommes en bonne santé. Que la gloire et la louange lui soient rendues. Encore une fois, repose en paix, rest in peace, messieurs syndicats d'Okolo. Voilà. C'était grâce tes mots, passeport rouge, la star, la donne. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime beaucoup.